la publication des résultats des bureaux dans l'opacité et de manière partisane, rien qui s'effondre. La CENI ne souscrit pas à cette négativité. Il s'agit d'un procès d'intention qui, juste à ce stade du processus, s'est avéré sans fondement. Nous avons donc géré avec professionnalisme et honnêteté la carte contractuelle opérationnelle, la réforme du budget électoral, la répartition des sièges ainsi que les candidatures. Chers compatriotes, l'équipe que je dirige travaille avec intégrité et le fait ainsi par conviction. Elle n'est pas forcée à le faire, elle est convaincue de le faire. Nous sommes convaincus que ce quatrième cycle électoral va hausser le standard en matière électorale et ainsi contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix dans notre cher pays. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un grand conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime anti-démocratique.